Et aujourd'hui je viens pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc c'est une nouvelle catégorie que j'ai décidé d'ouvrir. Je verrai bien si ça rend bien ou pas. Si ça rend bien, je ferai d'autres avec d'autres marques. Donc c'est une sorte de revue sur une marque. Donc je vais vous présenter 3 produits que j'ai testés dans la marque, que j'ai aimé, et 3 produits que j'ai détestés. Donc la marque d'aujourd'hui c'est ELF ou Eslip Face. Je vais vous parler de la marque un petit peu plus en détail. Donc c'est une marque qui a vu le jour en 2004 aux États-Unis, qui a été créée par un maquilleur qui s'appelait Scott Vincent Borba. Il a fait une association avec un homme d'affaires qui lui a permis d'ouvrir une marque. Donc en France il y a un seul magasin qui fournit ELF, donc un seul magasin ELF, il est à Aix-en-Provence. Donc celle qui habite Aix, vous avez de la chance. Ce qui est cool sur cette marque, c'est le fait qu'elle est non testée sur les animaux et qu'elle dispose de 3 catégories. Une catégorie à 1€ qui lui propose des produits généralement d'une qualité assez normale, assez bien même, pas très cher. Et il y a une catégorie également studio où c'est que là vous avez des produits de 4 à 8€ qui sont même assez bien aussi. Et vous avez une catégorie éco, donc je me rappelle plus comment elle s'appelle, honnêtement je me rappelle plus. Non, je me rappelle plus. Et vous avez des produits écologiques, donc vous avez par exemple, je me rappelle, des fards à paupières qui étaient avec de la poudre de je sais plus quoi. Il y avait des trucs vraiment plutôt sympas. Il y avait des pinceaux en bois de bambou. J'ai jamais commandé de cette catégorie là je crois, puisque j'en avais pas vraiment l'envie. Donc cette gamme là coûte entre 5 et 8€. Donc comme je vous ai dit, je vais vous parler de 3 produits que j'ai aimé et 3 produits que je n'ai pas aimé. Donc j'ai mélangé un petit peu toutes les catégories, j'ai pris du 1€, j'ai pris du studio. Donc je vais commencer par ceux que j'ai aimé. Donc il y en a 3 bien évidemment. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc en fait j'ai commandé dans ma première commande que j'avais fait un Zip Zipper. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc c'est tout simplement un stylo avec une roulette, un stick en fait, comme ceci. Et en fait vous l'appliquez sur vos boutons, c'est à base d'alcool. C'est tout simple, franchement, je crois qu'il y a 2 trucs dedans, il y a deux produits, il y a de l'alcool et je sais plus quoi. Et c'est vraiment super simple, mais ça fonctionne mais tellement bien. En fait l'alcool ça sèche les boutons, ça c'est sûr et certain, c'est prouvé à 10 000%. Et j'ai rarement vu, enfin même j'en ai jamais vu mis à part ELF. Bon j'ai pas non plus cherché des masses, mais mis à part ELF j'ai jamais vu des marques vendre des sticks d'alcool. Donc il coûte 1€, c'est vraiment pas cher et selon moi c'est un des produits à prendre quand vous faites une commande, c'est obligé, prenez-le parce qu'il fonctionne tellement bien. C'est mon 8ème je crois, mon 8ème. Et je m'en lasse pas, donc là c'est vrai que je l'ai laissé un petit peu de côté en ce moment parce que voilà. Et je vais revenir bientôt dessus, ça c'est sûr. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite le deuxième produit qui est selon moi, enfin mon coup de cœur en tout cas, un de mes coups de cœur de la marque, c'est le Highlight Primer, donc qui est en fait une base pour les yeux. Donc c'est une base qui existe 6 couleurs je crois. Il existe celle-là qui est couleur chair, il y a champagne, il y a un blanc aussi je crois. Donc je peux pas vous dire toutes les couleurs parce que ça fait un moment que j'ai pas été sur le site. Mais donc voilà, donc en fait c'est un embout mousse tout simplement avec, une tige comme ceci. Et donc c'est une bonne base pour son prix. Je parle quand je vous dis que c'est des bons produits, c'est par rapport au niveau qualité prix. Donc c'est une bonne base. Elle fixe très bien les fards, qu'ils soient poudreux, qu'ils soient moins poudreux, franchement elle les tient bien. Elle coûte 1€. Le truc que j'aurais peut-être à reprocher, c'est qu'elle est un petit peu trop liquide, enfin un petit peu trop liquide. Je sais pas si on va voir comme ça, mais quand on l'applique, je sais pas, je vais vous montrer, mais je sais pas parce que comme il pleut, il fait un temps un peu bizarre. Vous voyez, elle glisse en fait, elle glisse et quand on la met, on est obligé d'en mettre beaucoup pour pas trop que ça glisse. Donc voilà, mais sinon, c'est vraiment, enfin selon moi, une des meilleures bases, aussi peu chère, une des meilleures bases que j'ai testées. Et c'est ma 5ème je crois, donc ça prouve que je l'aime. Dernier produit qui est dans mes coups de cœur de la marque. Donc en fait je voulais vous en présenter un autre de base, mais je ne l'avais plus, je l'ai jeté parce qu'il était trop vieux, tout sec. C'était un eyeliner.
Mais c'est pas grave, j'en ai trouvé un autre qui est aussi, aussi dans le top 3. C'est donc la poudre correctrice comme ceci. Donc en fait c'est un quad de la marque ELF, mais de la gamme Studio cette fois-ci. Donc il coûte 4,90€ ou 4€, je sais plus trop. Donc c'est en fait un... Voilà, un quad avec 4 couleurs. Donc vous avez soit la possibilité d'appliquer chaque couleur sur... Il y a différents combos, genre le vert c'est pour les boutons, pour les rougeurs, le rouge c'est pour ça, enfin je sais plus. Mais moi ce que je fais c'est que je l'applique en gros pour unifier mon teint. Donc je prends toutes les couleurs et brûle sur le visage comme ça. Et en fait c'est une très bonne poudre. Le seul souci c'est que les teintes sont beaucoup trop claires. C'est à dire que si je le fais en été, je ressemble à une poupée de porcelaine. Et c'est pas cool quoi. Enfin, je sais pas s'ils ont sorti des couleurs plus foncées, parce que moi je sais que quand je l'avais commandé il n'existait que 2 couleurs. Maintenant ça fait un moment que j'y ai pas été, ça doit faire peut-être 1 an et demi que j'ai pas été sur le site, voire même peut-être 2 ans. Mais c'est quand même un très bon produit pour l'hiver, moi je l'utilise tout l'hiver et j'en suis... Ensuite on passe aux produits que je n'ai pas aimé. Donc après c'est sûr que c'est chacun aime les produits, ça dépend de l'attente qu'il en a, mais en tout cas moi ils m'ont pas plu du tout. Donc je vais commencer par le plus petit. Donc j'ai commandé un highlighter comme ceci. C'est les petits highlighters à 1€, toujours pareil. Donc en fait c'est des highlighters tout simples. J'avais envie de tester la texture fluide parce que j'avais déjà testé la poudre. La poudre ça va, j'en mets pas toujours, mais genre là déjà vous voyez le produit sort tout seul, je fais rien, le produit s'en va. Et en fait ce que j'y reproche c'est le fait d'être beaucoup trop pigmenté, et c'est vraiment galère en fait à doser. Donc là après sinon il a une jolie couleur et tout, mais pour le doser c'est juste horrible quoi. C'est, je sais même pas où il est. Ah si, il est là. Bah donc là on peut voir, je sais même pas si ça fait autofocus, mais on peut voir déjà qu'il est pigmenté de ouf, et en plus il a une texture mais tellement collante, c'est juste c'est pas possible quoi. Donc déjà moi qui ai la peau grasse, et en plus je m'amuse à mettre de la texture collante sur mon visage, on n'a pas fini. Et après c'est sûr que peut-être pour les personnes qui ont une peau sèche c'est peut-être mieux. Moi dans tous les cas je sais que non, elle me convient pas du tout, et je ne t'aime pas, désolée. Deuxième produit que je n'aime pas, donc là pareil, je pense que c'est, enfin là je pense que pour le coup c'est dû à la couleur, mais j'ai commandé un Zit Zapping Concealer qui est en fait un correcteur. Bon moi j'ai pris vert, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai pris vert, faut toujours que j'en fasse qu'à ma tête de toute façon. Donc j'ai pris vert, mais j'aurais peut-être pas dû. Donc après c'est vrai qu'au niveau texture quand même c'est pas joli hein, non plus, c'est pas que la couleur, c'est aussi la texture. Donc en fait c'est un produit donc comme ceci que vous mettez pour cacher les rougeurs. Le problème c'est qu'il est beaucoup trop pigmenté, et que quand vous en mettez sur une rougeur vous êtes vert en fait. Après le produit est beaucoup trop fort, beaucoup trop pigmenté. Il a une odeur de menthe, par contre ça c'est super cool, une odeur de menthe. Et le truc c'est que c'est trop pigmenté en fait. C'est de base pour cacher les boutons quand même, on veut un truc qui soit tout comme ça, et puis on tapote et puis ça s'en va. Mais là si on le tapote on est vert quoi. Et donc voilà, j'ai déjà essayé à plusieurs reprises de m'y prendre avec un tout petit pinceau, prendre juste une petite goutte et le mettre dessus, mais non, ça c'est pareil, c'est la même chose, c'est beaucoup trop concentré. Et c'est dommage parce que l'idée est bonne. Après je sais pas si les autres, parce qu'il existe des couleurs chères aussi, je sais pas, j'ai pas testé, à voir. Mais en tout cas celle-là, la texture, tout c'est pas du tout ça, c'est collant en plus, et donc du coup j'aime pas. Donc le dernier produit que je n'aime pas c'est en fait un produit de la gamme Studio, c'est cette poudre là. Donc on la voit beaucoup sur les personnes, enfin dans les achats des personnes qui font des commandes chez ELF. C'est une poudre, donc la High Definition Powder, qui est en fait une poudre en boîte comme ceci, et qui a un tamis comme ça. Et en fait le produit est à l'intérieur, et on vient avec l'éponge, on tapote et on vient mettre sur le visage. Donc concrètement là c'est toujours la même chose. Je reproche pas
le produit en lui-même, puisque elle a vraiment un fini qui est généralement assez joli. La seule chose, c'est que c'est en fait un résultat vraiment trop brillant pour moi, c'est-à-dire qu'en fait il y a plein de micro paillettes et quand je mets sur mon visage j'ai l'impression de ressembler à un sapin, tellement je brille. Donc après je sais qu'il existe la transparente qui il faudra que je teste d'ailleurs si je repasse une commande. Ma foi, elle a l'air plutôt bien. Après celle-là, voilà, vraiment si je l'aime pas c'est que par rapport au fait qu'elle est brillante, parce que sinon après au niveau texture et tout elle s'applique bien. La tenue je sais pas parce que j'ai pas cherché à aller plus loin avec ce produit là, mais enfin, vous voyez là quand même, enfin je sais pas si vous voyez mais on voit que ça brille vraiment beaucoup et c'est dommage parce que l'idée était bonne. Après à voir si la transparente brille autant, mais dans tous les cas comme ça là c'est pas possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu ou pas, si le concept vous a plu. En attendant, je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.